Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Création Tous Acteurs, un spectacle monté par les jeunes de la paroisse de Poissy et des villes du doyenné du diocèse de Versailles qui ont souhaité mettre en scène le texte de Genèse 1 sur la création du monde et le confronter au monde actuel. Pour vous y rendre, rendez-vous le samedi 15 juin à 20h30 au centre de diffusion artistique de Poissy. Informations et réservations sur le site spectaclegenèse@live.fr. La compagnie La Pirogue présente « Moi, je te sauverai, Jeanne ou le projet fou de l'évêque Cochon ». Une fiction historique sur les rapports qui auraient pu exister entre l'évêque qui avait condamné Jeanne d'Arc au bûcher et cette dernière qu'il a voulu finalement sauver. Venez découvrir cette pièce en 9 tableaux de Maurice Desmazures à l'église Saint-Roch à Paris. Plusieurs dates au mois de juin sont proposées. Informations et réservations au 06 17 25 49 78. Jeudi 13 juin et dimanche 16 juin à Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône, Saint-Antoine est fêté. Ces journées présidées par le père Jean-Marie Laurier, missionnaire en Amérique du Sud, seront rythmées par une grande messe solennelle avec trompette et orgue, suivie d'une procession de la relique de Saint-Antoine dans le village. Des prêtres seront présents pour des confessions toute la journée. Renseignements au 04 42 73 80 24 ou sur le site www.paroisse-cuges.fr. L'ensemble La Chapelle Harmonique, dirigé par Valentin Tourné, interprétera Les Nations de François Couperin en l'église de la Trinité le mardi 11 juin et en l'église Saint-Germain-des-Prés le jeudi 13 juin à 20h30. Avec ces nations, le compositeur français du XVIIe siècle offre la réunion des goûts d'une Europe de l'art en pleine évolution musicale. Renseignements au 06 72 83 25 46 ou sur le site www.lachapelleharmonique.fr. Vous souhaitez passer une annonce dans notre agenda? Écrivez-nous à l'adresse email agenda@ktotv.com ou bien à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et nous écoutons un extrait de l'album « Ô Marie, ne pleure plus » d'André Gouze. Bonne semaine à tous.